تتهدف هذه الحملة اليوم إلى توعية العمال والعاملات المهاجرين والمتنقلين بأخطار ممارسات الاحتيال في التوظيف الدولي، وهذه الحملة بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بتمويل من الاتحاد الأوروبي. هذه الحملة غتستمر إلى غاية يونيو 2022، وغادي تكون فيها ورشات تحسيسية من أجل إعلام العمال والعاملات المغاربة المهاجرين والمتنقلين من أخطار هذه الممارسات والاحتيال في التوظيف الدولي، واللي تتقدر توصل إلى غاية العمل القصري. هذه الحملة اليوم غنحاولوا نحسوا منها بالممارسات الاحتيالية والغير الأخلاقية، مثل مثلا عروض العمل الوهمية والوسطاء الغير رسميين والتكاليف غير مبررة للحصول على وظيفة. ويقدر هذا في هذا الصدد أن عدد الضحايا العمل القصري حول العالم ما تقلش على 25 مليون شخص، خاصة بسبب الديون. وهذا هو اللي الهدف ديال البرنامج من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا الممول من الاتحاد الأوروبي. Et je suis très heureuse aujourd'hui d'être ici pour le lancement de cette campagne nationale pour la prévention des abus au recrutement, qui est un domaine important d'intervention pour nous. Les abus au recrutement, ça peut partir de choses très anodines, comme d'avoir des frais à payer pour être recruté à l'étranger. De ne pas avoir toute l'information sur son contrat de travail, jusqu'à des choses beaucoup plus graves qui peuvent aller jusqu'à la traite des personnes. Et je suis vraiment heureuse aujourd'hui que nous joignions nos efforts avec l'Organisation internationale pour les migrations, qui est notre partenaire dans le programme TAM, et surtout avec tous les partenaires nationaux marocains qui font déjà beaucoup de choses pour qu'on puisse ensemble essayer d'accompagner encore mieux, de sensibiliser en particulier les jeunes aux dangers qu'ils peuvent courir s'ils ne sont pas bien informés des conditions dans lesquelles ils souhaitent partir travailler à l'étranger. Ça doit rester une expérience choisie, une expérience positive, et c'est ce qu'on espère faire avec cette campagne. On est là aujourd'hui pour lancer la campagne de sensibilisation sur le recrutement éthique des travailleurs et travailleuses migrants. Cette campagne de sensibilisation, on a pris l'occasion de la semaine des migrants, qui a commencé le lundi et se déroulera jusqu'à la fin de la semaine. La Journée internationale des migrants, c'est le 18 décembre de chaque année. Pour mettre un peu cette campagne en contexte, je voudrais donner quelques chiffres. Dans le monde, c'est estimé que dans le monde, il y a 281 millions de migrants internationaux. Parmi eux, plus que la moitié, autour de 60%, sont de travailleurs et travailleuses. Et ce pourcentage représente le 5% de main-d'œuvre mondiale. Ce sont des chiffres très importants. Mais pour revenir à la campagne de sensibilisation, cette campagne se déroulera d'aujourd'hui pour 6 mois jusqu'à juin 2022 et a comme objectif le suivant. Le premier objectif, c'est de sensibiliser, d'informer les travailleurs et les travailleuses migrants sur les risques du recrutement non éthique. Et le deuxième, c'est d'informer et sensibiliser les parties prenantes de l'autre côté, comme par exemple les sociétés de recrutement. Je voudrais aussi mentionner que l'OIM est engagé très fortement au niveau global sur cette question avec beaucoup d'initiatives. Et ne pas oublier de vous abonner à notre chaîne et de nous suivre sur les réseaux sociaux.